J'aimerais quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, j'aimerais quand même dire un mot d'introduction générale. Au niveau de la halakha, la contraception n'est pas un sujet qui se traite en public. Que ce soit clair. Lorsque Rav Veros m'a appelé en Israël, il dit, il veut que je fasse une conférence sur la contraception. Je dis non. Bon. Rav Veros a insisté, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que je pense que c'est un rave extraordinaire. Donc j'ai retravaillé la question. J'ai décidé de faire quand même cette conférence, mais je maintiens que c'est un sujet que, bon, c'est vrai qu'on ne devrait pas parler en public. Bon, j'en parle quand même parce qu'il y a une nécessité, mais je ne veux pas qu'il y ait de marché du dupe. Je ne vais pas résoudre toutes les questions de contraception qui peuvent toucher certains couples en un coup de baguette magique. Il n'y a pas de la c'est pas on ne fait pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Hein. Il n'y a pas une recette magique qui s'adapte à tout couple, c'est au cas par cas. C'est un peu comme assister à une conférence d'un grand médecin sur un sujet, l'AFDIL, et s'imaginer qu'avec ce que le médecin a dit, on va résoudre certains problèmes médicaux. Ça ne peut pas marcher. Hein, rien ne remplacera la consultation médicale en cabinet, parce que dans chaque cas, hein, le médecin devra analyser les antécédents et tous les problèmes personnels du malade avant de donner un traitement. Donc même si vous avez entendu un traitement miracle, entre guillemets, d'un médecin, vous savez très bien que, avant de l'adapter et avant de commencer à prendre les comprimés, il est fortement conseillé d'aller consulter le médecin. Parce que ce médicament miracle peut être dangereux pour vous. Donc chacun a ses sensibilités, ses allergies, etc. Donc on ne prend pas un médicament parce qu'on a entendu une conférence d'un médecin. Alors la contraception, c'est la même chose. Donc, et c'est la raison pour laquelle au début j'ai refusé de parler de ce sujet en public, parce qu'il n'y a pas une contraception que la halakha permet pour tout un chacun dans toute situation, c'est au cas par cas. Et on va voir, à travers ce cours, qu'en fait, la contraception est un des sujets qui est les plus ardus, les plus sérieux dans la halakha. C'est pas une question facile. Alors pourquoi j'ai quand même accepté de traiter de ce sujet? En tout premier lieu, parce qu'il y a des fausses idées qui concernent la contraception. Et il est important d'éclaircir certaines choses. Alors la première erreur fréquente, c'est, comme on l'a déjà dit aujourd'hui, il y a très trop souvent une assimilation entre la chrétienté et le judaïsme. Alors vous savez qu'au niveau de la chrétienté, la contraception est interdite, un point c'est tout. Alors chez nous, je vous l'ai déjà dit, si la Gemara en parle, et différentes opinions au niveau de la Gemara, on ne sait pas que la contraception est interdite en tant que telle. Il y a des cas où la contraception est obligatoire. Il y a des cas où on peut permettre, on tolère la contraception. Il y a des cas où, lorsqu'on pose la question, on vous dira non, dans votre situation, vous ne pouvez pas prendre de contraceptif. Donc, encore une fois, il n'y a pas ni d'interdit général, ni d'autorisation générale. Il y a des cas qui doivent être analysés sur mesure, donc c'est au cas par cas, en tenant compte d'énormément de paramètres. Parce que la contraception, ce n'est pas seulement une question médicale, savoir quel contraceptif prendre. Il y a bien entendu un aspect de l'halakha, parce que au niveau de l'halakha, il y a d'une part une question générale, est-ce que un couple dans telle et telle circonstance a le droit ou l'obligation de servir d'un contraceptif ou non. Donc il y a des paramètres d'Halakha qui tiennent compte de questions de santé, de parfois de problèmes nerveux. On tient compte donc de différents paramètres familiaux avant de prendre une décision d'autoriser ou de ne pas autoriser la contraception. Donc, et il y a bien entendu une question, médicale, une question halakhique, et très souvent, le rav qui sera consulté tiendra compte aussi de tout un environnement familial. Donc, avec deux problèmes médicaux, on n'a pas la même réponse en fonction des couples qui ont très souvent un mode de vie, soit religieux, soit familial, différent.
Donc maintenant, vous dire dans quel cas est-ce que la halakha permet la contraception, dans quel cas la halakha ne permet pas, c'est totalement impossible. Parce que tout dépend, encore une fois, de ce qu'on appelle en latin de l'intitude personae, donc des fonctions particulières de chaque couple pour prendre une décision. Donc...